Bonjour à tous, eh bien, écoutez, je suis avec Nicolas, utilisateur du Ptio, et Rosa, ambassadrice de longue date, qui a introduit la technologie à Nicolas il y a de ça quelques mois, en mars il me semble. Petite année déjà, non ? Petite année, voilà. Et en fait j'ai trouvé l'histoire vraiment inspirante, donc j'ai décidé d'en faire un petit témoignage. Est-ce que Nicolas, tu pourrais nous expliquer dans quel contexte tu as acheté le Ptio et en fait pourquoi tu l'as acheté ? Eh bien, j'ai acheté le Ptio parce que j'avais une intervention à faire en janvier 2021 au CHR de Lille. Et donc, comme le bas, c'est pas très gai, j'ai utilisé le Ptio aussi bien la journée que les nuits pour avoir la lumière et la gaieté de la lumière, les différents sons, les différentes histoires qui étaient à la fois quatre histoires en même temps. Deux voix de femmes, deux voix d'hommes, même si le personnel était sympathique là-bas. Mm-hmm. J'ai utilisé aussi pour la chimio au mois de mars, ce qui m'a permis d'être ailleurs, faire un voyage, un voyage je ne sais où, puisque quand j'ai fait ma première chimio, il y a eu des courants d'air, plein de choses se sont passées dans cette chambre. C'était étrange, j'ai pas su expliquer, mais bon. Donc tu as ressenti des choses qui étaient physiques. Qui étaient physiques, oui. En fait, il n'y avait pas de courant d'air qui passait par là, ça devait se retrouver dans l'histoire. Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé, puisque bon... Et qu'est-ce que ça t'a procuré? Est-ce que ça t'a aidé émotionnellement à passer au-dessus de cette épreuve qui est quand même difficile? Ah oui, oui, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à Oscar Lambré, ça m'a aidé chez moi parce que ça m'a permis d'être dans en quelque sorte une bulle ailleurs, parce que bon, l'entourage a quelquefois du mal à supporter ce que j'ai vécu, et voilà, donc pour moi c'était une grande évasion, et bon, je faisais déjà de la relaxation avant, mais là ça m'a apporté, une évasion, un bien-être, plein de choses que je ne saurais pas décrire dans tous les... Bon. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Vraiment, ça fait plaisir de récolter ce genre de témoignage et de voir comment ça fait du bien. Merci à Rosa d'avoir introduit cette technologie à Nicolas. Avec plaisir. Eh bien, écoutez, à bientôt à tous. J'espère que ce témoignage vous inspire également. À bientôt. À bientôt. Merci.